j'ai manqué mon avion. Fait que, I mean, si c'est toujours comme ça quand je manque mes avions, j'ai honnêtement manqué l'avion plus souvent. Bon, là, on est de retour en Oklahoma, on est à Oklahoma City plus précisément, puis le véhicule qui est derrière moi, ce Miata NB avec un LSWAP, c'est ce qui m'est prêté pour la journée, parce qu'aujourd'hui, il y a un track day. Je suis pas supposé rester jusqu'ici en ce moment, je suis supposé être au Québec, mais là, il fait exactement les mêmes températures qu'au Québec, ça veut dire qu'il fait froid, mais on va avoir ça pour le track day. Fait que ça s'annonce assez cool, je vais mettre les GoPro, puis malgré qu'on a pas de hood, malgré que c'est un V8, on va street driving comme ça jusqu'au track day. Let's go! Bon, j'espère que vous allez arriver à m'entendre. Je suis présentement dans un Miata V8. On roule pas de hood parce que USA, I guess. On a genre 400 force. That's nice. Ouh. On s'en va à un événement de drift. Dans le fond, j'étais déjà à l'événement de drift. Puis ils m'ont dit: hey, veux-tu drifter? Je suis comme: oh, I don't mind. Mais on peut prendre, on peut aller chercher le Miata ou mon auto. Je suis comme: oh, bienvenue en Oklahoma. Wouh. Désolé, ça shake. Le son. So sick. C'est tellement stupide, mais je suis content. Aujourd'hui, j'ai aucune idée à quoi le vlog va ressembler. Techniquement, c'est mon premier vrai track day sur l'asphalte. Vous avez vu sûrement mon autre track day qui était sur la glace à Icaro. Qui était mon premier événement, si on veut. Les gens s'en foutent totalement de mon auto. Puis moi, je suis beaucoup trop content. Derrière la piste, le tour ressemble à cela. Ben les véhicules qui roulent à l'instant. On va embarquer dans pas grand temps. Thank you.
finalement, j'ai vraiment chassé l'hélice un peu plus au gaz, c'est à deuxième vitesse. Là, on a quand même 480 wheels, donc en masse. Puis ça allait mieux, c'est juste vraiment le steering est quand même assez fast. Mais surtout, on a vraiment un short wheelbase, contrairement à ce que j'ai habitué en FRS. Surtout, contrairement à ce que j'ai habitué sur la neige. Donc, une autre game, mais c'est fun. Anyway.
en général, du moins ceux qui sont encore là en train de regarder les vidéos, si vous voulez drifter, c'est des choses qui vous intéressent et que vous voulez que je mette plus de vidéos, ben dites-le, je vais le faire, sinon je vais pas le faire. J'essaie de faire quand même, oui, parce que moi j'aime les regarder. Faudrait que je regarde mes tires aussi, voir s'ils sont bald ou non. Quelque chose que j'allais oublier. Fait que prochaine sortie, j'allais les regarder. Celui qui est propriétaire du Miata derrière moi, c'est aussi le même propriétaire de ce véhicule-là. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'imagine, c'est peut-être celui-là en ce moment. Il a changé de bloc, changé de supercharge, un nouveau moteur pour compétition pro cette année. My god, ça me fait du bien, c'est bon. Je sais pas si vous arrivez à m'entendre quand je suis dans l'auto, mais j'ai réussi à linker le cord au complet une fois, l'autre fois comme partiellement, mais oh my god, ça va bien, c'est le fun. Je me sens un peu comme sur la neige, fait que c'est vraiment de mieux en mieux. Les pneus restent de rester deux laps, après ça, faut que j'aille changer. Mais faire deux laps, après ça, change les pneus. Les pneus sont bien froids. Tranquillement.
deux corners, ça fait du bien, c'est le fun. Faudrait vraiment juste que je sois capable d'enchaîner des laps, comme ça je rentre un peu plus dans mon corps. Là, c'est sûr, il y a des petites pauses, c'est pas si pire, mais j'aimerais savoir. Moins de pauses. Au moment que t'embarques sur la piste, tu veux juste continuer. J'espère que vous m'entendez. Je vais pas vous mentir, tu vois, vraiment avec des baby steps, mais c'est moins intimidant qu'on le pense. Ça l'était au début, hein. Ça l'est encore, mais vraiment moins qu'on le pense. Fait que si t'as la chance de tester ça à un moment donné, faites-le sur le circuit. Si je suis moins bavard, c'est bien normal, c'est que je suis excessivement concentré. J'essaie de pas crasher un auto qu'on m'a prêté. Comprenable. Première fois que je fais la drift réellement sur un circuit, c'est pas mon auto, c'est pas mon pays, ça change rien ça, mais bon. Ah que c'est le fun! Je suis content d'être venu. By the way, c'est Extreme History, vous savez que je suis ici parce que j'ai manqué mon avion. Bon, j'allais prendre l'avion, mais visiblement, madame ne va pas me laisser passer parce que je suis arrivé un petit peu trop tard pour check-out un bag qui est supposé être un oversize, mais c'est pas un oversize parce qu'il est plus petit que moi. Anyway, VAC, je rentre pas au Québec, puis je vais rester un petit peu plus longtemps aux États-Unis, visiblement. VAC, I mean, si c'est toujours comme ça quand je m'arrive les avions, j'ai honnêtement manqué l'avion plus souvent. Let's go! Pas de pression, mais il y a Robert, Zach,
juste qui est en arrière, je pense. Pas de pression. On pensait que le cordover était brisé. Finalement, non. Le tire a frappé assez fort. Oh, voilà. Le tire a frappé assez fort que cette boat-là a décidé de s'en aller. Sinon, vous ne pouvez absolument rien voir, mais le tire a frotté quand même très fort dans le fender liner. Le tire est bien poussiéreuse. Moi, j'ai menti avec ça. C'est un bon track day. On a eu juste un airborne. Hey, I crashed! Airborne. Sick. Yeah, that was nice. Do it again. Yeah! Ouais.
Oui, écoute, ça pourrait être vraiment pire. Moi, je suis vraiment content. La journée était tellement sick. Le vlog, s'il s'achève, je pense que la journée va s'achever. Peut-être que j'allais faire des tours avec d'autres youtubeurs, mais sinon, like, share, partage. À mon autre channel, si vous voulez d'autres trucs de drift comme ça. Parce que je risque de airbone aussi mon auto. Mais je risque de pas venir ici avec mon auto parce qu'il y a des trous énormes et c'est loin un peu de la maison. Donc, dans la prochaine vidéo, je reste au Québec. Je commençais à être quand même correct. Au point que Josh Love est venu me voir puis il allait me demander avant que je crash si je voulais tandem avec lui. Ah, j'aurais quand même été en arrière parce que je m'aurais senti mal ou peu importe. Mais c'est bon pour l'estime personnelle. Fait que big shout out à Josh Love.